La naissance de l'Europe ouvre enfin une ère de paix entre les peuples. Mais à Azerac, la vieille malédiction plane toujours. C'est Monsieur Arnaud qui arrive. En voyant son fils Arnaud revenir, à la demande de Léo, Guilhem espère que le temps de la réconciliation est venu. Mais il n'en est rien. Arnaud tient toujours Guilhem pour responsable de la mort de sa mère. Et il ne lui laisse que le strict minimum pour faire vivre Azerac. Reste ! Je ne le déteste pas, il n'existe plus. Léo essaie bien de convaincre Arnaud, mais celui-ci est intraitable. Il ne peut pas oublier que son père a violé Isabée et qu'il a un autre fils, bâtard, Pierre-Carl, devenu un raseteur très doué. Humilié de mendier l'aide de son fils, Guilhem envisage alors de séduire Zanny Bourrièche, rencontré grâce à son ami le docteur Rache lors d'une course de taureaux. J'ai l'impression que tu as fait sa conquête. Qu'est-ce que tu racontes ? Zanny, femme d'affaires et riche héritière de l'Empire Bourrièche, est une fille au tempérament ardent. Elle est séduite par la force rude de Guilhem et le passé prestigieux de sa famille. Malgré la différence d'âge, ils se plaisent. Et Guilhem n'oublie pas que l'argent de Zanny lui permettrait de faire revivre Azerac. Une très jolie maison. Pourtant, lorsqu'Arnaud débarque, Zanny, qu'il a connu pendant la guerre, délaisse le père pour se jeter au cou du fils. Jaloux et ivre de rage, Guilhem vient demander à Zanny de l'épouser. Zanny s'en amuse et lui répond en demandant la main de son fils. Guilhem s'emporte et Zanny doit le menacer pour le faire partir. L'annonce du mariage d'Arnaud avec une descendante des Bourrièches ne dit rien de bon à Thérèse. Oui, il va épouser Zanny Bourrièche, je sais, excuse-moi. Quant à Virgile, il voit bien Arnaud se marier, mais pas avec Zanny. Rester encore une nuit. J'aurais déjà dû partir depuis deux nuits pour parler comme toi. Je sais même pas quand tu reviendras. Non, Zanny, le matériel est arrivé aux Émirats et ils m'attendent pour le monter. C'est très délicat, tu sais. Est-ce que ça rapporte au moins ce que tu fais là-bas? Ça a l'air très mystérieux. Oh, il n'y a rien de mystérieux. Il y a du pétrole, seulement il est sous la mer. Il a fallu que j'apporte des modifications au système d'ancrage que j'ai inventé, voilà tout. Est-ce que tu m'aimes? Pas d'autres questions. Est-ce que tu m'aimes plus que ce garçon avec qui tu étais au collège en Suisse? Célim? Tu n'aimes pas les hommes, moi? Non, je n'aime pas les hommes. Et si ça peut te rassurer, Célim non plus. Oui, mais c'est quand même lui que tu vas retrouver. En plus, il te prend tous tes sous. Non, il ne me prend rien. J'investis. Je mets dans l'entreprise les revenus qui me viennent de mes brevets. Et surtout l'argent de ta mère. En partie, oui. Si tu veux, je peux t'en donner. Non, ça va. Merci. Je ne peux jamais rien faire pour toi. C'est désespérant. Ta valise, tu t'en charges. Le petit déjeuner, tu t'en charges aussi. Je t'accompagne à l'aéroport. Pas la peine, j'ai commandé un taxi. J'avais pas les nuits pour m'assurer. Quelquefois, je suis très inquiète. Puis tu ne poses jamais de questions. Non, qu'est-ce qui t'arrive, Zanny Bourrièche? Mais je t'aime, Azerac. Et moi aussi. Je suis bête parce que je suis heureuse. Puis je suis triste parce que tu pars. Tu sais bien que je reviens. Oui, mais tu sais même pas quand. Deux semaines, trois semaines ou plus. Tu veux pas que je te fasse un petit au revoir encore? Non, non, tu m'as déjà fait un petit au revoir. Est-ce que... déjà demandé en mariage? Oui. Qui ça? Ah, une femme très attirante, belle, charmante. Elle m'a demandé de réfléchir avant de donner ma réponse et depuis, je réfléchis. La réponse est oui. On trouve plus personne pour le biais. Moi, j'ai deux biaiseuses comme on n'en fait plus. Vous êtes magnifique. Pas mal. Il me faudrait un déshabillé aussi. Ou plusieurs. J'ai quelque chose en crêpe de satin, ça vous? Oh, oui. Super, vrai, mais je te croyais en Camargue. J'y retourne. Alors, c'est grand bonheur? Je savais pas que ça existait. Mais il est parti ce matin pour ses déserts et moi, je suis toute triste. Non, mais tu es très belle. Je vais réaménager les roseaux. C'est là que ça s'est passé. Je veux que ce soit très beau. Ça sera ma surprise pour son retour. Ah, il revient quand? Bah, il a dit 15 jours, 3 semaines, mais... Voilà ce que je peux vous proposer. Ce qui est excitant, c'est son air tranquille. T'as vu comment il est? Oh! La nuit m'en folle. C'est un vrai démon. Oh, écoute. Bonjour, Cosette. Bonjour, madame Bourquin. Qu'est-ce que tu penses de ce modèle? Alors? Ah ouais, c'est très bien. Très bien. C'est pour lui que tu fais tous ces frais? Bah, change de vie. Change de l'âge. Et Guilhem dans tout ça?
Qu'est-ce que tu veux? Non, mais comment il prend les choses? Tu vas rire. Petit matin, il débarque au Roseau. Et il me demande de l'épouser. Non. Il est violent avec ça. Finalement, je lui tire dessus. Quoi? Mais... heureusement, c'est pas des plombs. Sinon, je l'aurais amoché. C'était juste une balle. Bon, eh ben, je prends ces deux-là. M'en mettez trois de chaque. Tu parles, il doit être foudrage. Probable. Mais j'en veux pas. Il est pas mal, franchement. Je préfère son fils. Vous dérangez pas, mesdames. Je suis la voisine de Madame Cosette. Cosette, je t'ai ramené ta fille. Merci. Dis bonjour à cette dame. Mais c'est la petite merveille des arènes. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, mon petit bouchon. Vous êtes très belle. Et toi, tu es très bien élevée. Ah, ça, l'éducation. Ça pardonne pas. Merci, madame Jacotot. Alors, pour la guêpière, qu'est-ce qu'on fait? Guêpière et soutien-gorge. Vous prenez mes mesures. Puis quand ça sera fait, Élodie me les portera au Roseau, d'accord? D'accord. Très bien. Je ne me trompe pas. Le thé est à Zérac. Vous avez retrouvé votre compagnon d'armes. Ah oui, docteur, bonjour. Pardonnez-moi. Vous revenez parmi nous? Oui. J'ai l'intention de réactiver les roseaux. Je ne parle pas seulement du masque, je voudrais ressusciter la manade que nous avions autrefois. La manade? C'est pas une mince affaire, ça. Et vous auriez le temps de vous en occuper? Mais quand on est motivé, le temps, on le trouve. C'est que ça ne s'improvise pas. Hein. Je m'en doute. Il me faudrait quelqu'un auprès de moi, vous ne voyez personne. Comme ça... Je voudrais des taureaux de combat aussi. C'est possible ici? Ah oui, bien sûr. C'est pas toujours bien vu, mais c'est possible. Mais si vous voulez les fauves, il faut aller les chercher en Espagne. J'irai. Vous aimez la corrida? J'en ai peu vu, mais je sens que j'aimerais ça. Le sang ne me fait pas peur. Il y a une ambiance marrante. Pour votre manade, je pense à des gens qui pourraient peut-être vous assister. Je prends, oui. Ils sont sérieux, honnêtes, compétents. Les Carles. Ben, l'Ormar, c'est pas loin les roseaux. C'est un peu avant sur la droite quand on va vers les Salins. Aux terres se touchent pratiquement. Ils sont bien? Oh, très bien. Mais vous en avez vu un à la course? Le raseteur qui a enlevé le ruban de Balthazar, c'est l'aîné. Ah oui, plutôt beau gosse. Mais sérieux. Ah ben tant mieux. Oh, ils sont pas très riches. Et c'est pour ça qu'il fait le raser. Et le père est mort il y a quelques semaines. Paul Carl. Je prends un petit soin passant. Et pour les taureaux, vous n'avez pas une petite adresse? Ben, je vous ai dit, en Espagne. Bon. Tenez. La ganaderia de la marquise. La marquise. Quelle marquise? La marquise. C'est tout. Tout le monde la connaît, personne ne la voit et elle a des bêtes superbes. J'irai. Ah. Oh, une dernière chose, surtout! Vous ne dites jamais à Guilhem que c'est moi qui vous en ai parlé. Hein. Sa manate, c'est du pur Camargue. Alors, s'il la prenait, il m'arracherait les yeux au nom de la tradition. On ne craignait rien, ne craignait rien, nous sommes fâchés. Pas possible. Moi, je vous raconterai. Il n'est pas rancunier. Hein. Ça tombe bien, moi non plus. Passez me voir au Roseau. Soyez malade. Mais je le suis complètement, ça ne se voit pas. À bientôt. À bientôt. Vous en voulez une petite larme? Merci, non. Ah, j'ai hâte d'être au Roseau. Bon, maintenant, on se connaît, vous savez qui je suis, vous savez ce que je veux. Merci pour votre Carthagène. Vous serez toujours la bienvenue. Oh, ce n'est pas si loin, je reviendrai vous en demander. Ah, c'est une vie nouvelle qui s'ouvre devant moi. Je ne suis pas folle, je sais qu'une manade ne se monte pas en un jour. J'aurais besoin de conseils. Tout simplement, il s'agit de faire mon éducation camarguaise. Vous êtes sympathique. J'espère vraiment que ça va marcher. Alors vous réfléchissez, puis vous me donnez votre réponse le plus vite possible. Oh, on n'en a pas parlé, mais bien sûr, pour tout ça, vous serez rétribué comme il faut. J'ai l'intention d'être généreuse. Merci de votre accueil. Elle est avenante, cette jeune femme. Bien sûr, elle est avenante.
Mais des engouements comme le sien, j'en ai déjà vu. C'est la Camargue qui veut ça. Elle chavire les gens. Il la traverse, il voit des chevaux en liberté, des taureaux en cavale, un vol de flamand et... Et il s'imagine que c'est une nouvelle vie qui commence. C'est ce qu'elle a dit, t'as entendu? T'es dur. Non, c'est le pays qui est dur. Mais ça, on s'en aperçoit pas tout de suite. Alors les gens s'emballent et... Et ça dure pas. Attends, elle est un peu du pays quand même. Elle a des terres. Elle a peur des chevaux. Et puis, elle a de l'argent, dis donc, ça compte. Ouais, ça, ça compte. Alors? Si le cœur t'en dit. Qu'est-ce qu'on risque? C'est une occasion. Tu te rends compte de ce que ça peut représenter pour nous? On serait plus obligé de risquer un coup de corne dans les arènes chaque dimanche. Allez, vas-y, t'en meurs d'envie. T'es pas contre, au moins? Non, mais tiens, viens vite, hein. Je serai auprès des bêtes. Tu m'appelleras et on ira à la Baumelle pour établir les clôtures. J'ai pris la précaution de téléphoner pour être sûr que vous ne seriez pas là. Je voulais accrocher un bouquet de saladelle à la porte du mas, avec un petit mot, à cause de ma conduite de l'autre matin. Vous m'avez surpris. Bonjour. Bonjour. Tenez-moi ça pendant que j'ouvre la porte. Entrez. Je peux? Mais puisque je vous le dis. Posez ça là. Mignon comme ça avec votre bouquet. C'est la saladelle. C'est une fleur de gardien. Donnez. Merci. Non, c'est à moi de vous dire merci. Je reste une minute. On m'attend sur le pâturage pour trier. J'étais juste passé pour... Enfin, des excuses. Ça, j'avais compris. Et vous? Vous acceptez les miennes? Les vôtres? Dame, je vous ai tiré dessus. À propos, le fusil n'est pas rangé. Il faudra que je le recharge, on ne sait jamais. Si j'ai fait cette démarche, l'autre matin, c'est que... J'avais cru que vous me trouviez possible. Et c'est vrai, Guilhem. Vous ne m'êtes pas indifférent? Seulement, hein. Je comprends, je comprends. À propos, il est parti ce matin pour les Émirats. Hein? Bien. J'ai parfois l'impression qu'il y a quelque chose de grave entre votre fils et vous. Pas le cas? Non, non, pas du tout. Sur nos caractères, nous sommes très différents. Non, non. Au contraire, tenez. Si un jour... Pardonnez-moi, mais si un jour vous deviez... Avec Arnaud... Comment dire, vous marier. J'aimerais que ça se fasse à Azerac. Ça me touche beaucoup. Guilhem, je crois qu'après ce qui s'est passé, nous sommes vraiment amis. Je suis à vous tout de suite. Office Carl? Oui, il vient m'apporter la réponse. Quelle réponse? Oh, ce serait long à vous expliquer. J'ai l'intention de jeter l'ancre en Camargue et, petit à petit, de constituer une manade. Vous êtes adressé à ces gens-là? On me les a recommandés. Qui? Le docteur Rush. Mais il est faux! D'abord, Rush, il connaît rien, la Camargue, rien. C'est tout juste, il monte à cheval. La Camargue, c'est moi et personne d'autre. Les Carles, écoutez, Annie, les Carles sont des gens dangereux. Hypocrites, malhonnêtes, des mythomanes. Mais calmez-vous, vous pouvez nous entendre. Je m'en fous. Vous avez confiance en moi, alors pour rien au monde ne travailler avec eux, croyez-moi. Ils ne connaissent rien, la Bouvine. Ces gens-là déshonorent la Camargue. Mais ils m'avaient fait bonne impression pourtant. Les hypocrites, des profiteurs, des nuls. Ben, je vais réfléchir. Vous ferez bien. Et si vous avez besoin de quelque chose, c'est à moi qu'il faut vous adresser. La Camargue, c'est moi. Bon, je vous laisse. On se reverra.
Priez derrière Azerac. C'est pour la course de demain. Venez nous rejoindre. Vous serez la bienvenue. Voilà. En ce qui me concerne, c'est oui, tout à fait. Mon frère verra. Il a beaucoup à faire pour l'heure, mais vous inquiétez pas, je crois qu'il pourra aussi. C'est bien. Mais écoutez, je crois que j'étais un peu rapide dans ma démarche. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai des choses à faire avant. Des travaux dans le mas. Vous donnez pas la peine, madame. Je suis pas idiot, vous savez, j'ai bien compris. C'est monsieur d'Azerac ? Non. Je vous assure, non ? Je sais pas pourquoi il en veut comme ça notre famille. On lui a jamais rien fait, il nous hait. Pourquoi ? Je voudrais au moins vous dédommager de votre course. C'est pas grave, c'est inutile, madame. Allez, au revoir, madame. Monsieur d'Azerac ! Monsieur d'Azerac ! Pourquoi vous avez empêché cette dame de m'engager, hein ? Qu'est-ce qu'on vous a fait ? Cinglé, j'ai rien dit. Menteur ! Me racontez pas d'histoire ! Tout s'est taré dans cette famille, dire quoi ? Pour qui vous vous prenez ? Hein ? Un jour, vous paierez tout ça ! Vous entendez ? Je vous maudis ! Moi, je t'emmerde ! Arrête ! Son compte à cette ordure d'Azerac. Quoi ? Tu sais ce qu'il a fait ? Il a empêché la dame des roseaux de m'engager. Il m'a dit crève, mais c'est lui qui va crever ! Oh non, mon Roland, non ! Laisse-moi passer, maman. C'est pas des affaires de femmes. Tu lui as dit ? Mais non, c'est la dame des roseaux, elle veut plus de lui. Il paraît que c'est la faute du baron ! Qu'on lui a fait. Pourquoi il nous cherche comme ça ? Parce que c'est mon père. Et ta mère, qui est-ce ? C'est maman. Qu'est-ce que tu racontes ? La vérité. Il a aimé maman ? Non. Mais alors ? Je te raconterai. Tu comprendras comment je suis là. Je suis le résultat d'un viol. Maman ? Maman ? Tu vois bien qu'il faut le tuer. Pourquoi ? Elle l'a jamais aimé. Mais papa, dans l'histoire. Papa ? Papa, je l'ai toujours connu. C'est lui qui m'a tout appris. C'est lui, mon père. Je peux te dire que ils sont aimés, maman et lui. Maman, elle me disait, est-ce que ça te ferait plaisir d'avoir un petit frère ou une petite sœur ? Et moi, ah non, pas de petite sœur. Un frère. On parlait de toi avant que tu viennes. Et puis tu venais pas. Les années passaient, la maison était la même, mais sans toi. Parfois, papa, il posait sa main sur ma nuque, faisait relever la tête, on se regardait et... Et il me disait, alors, fils, je crois qu'ils avaient cessé d'espérer, mais pas moi, je réclamais toujours le petit frère. Vous m'avez promis, ça les rendait tristes et je comprenais pas pourquoi. Et puis un jour, tu t'es annoncé. La joie, fallait les voir. Tu devais arriver pour Noël, j'étais sûr que ce serait un garçon.
Tu sais, c'est moi qui t'ai appelé Roland. Ouais, j'hésitais entre Roland et Charlemagne. Ils ont préféré Roland. Je t'ai attendu longtemps, tu sais. Allez, viens, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu as ? J'ai dû me fouler à la cheville en tombant. Vous n'allez pas vous laisser partir sans les derniers poèmes, Madame Léo ? D'autant plus que l'inconnu nous a encore envoyé des textes. Aussi beau que le fleuve, roi ? Plus beau. Je les lirai dans l'avion. Allez, on y va. Vous emmenez qu'un tableau chez les Américains, mademoiselle ? Oh non, Frédéric. J'ai envoyé toutes mes toiles déjà, mais celle-là reste en Camargue. Je la déposerai à Azérac en passant. Allez, allons-y. Allez. Allez, va, va. Pas dit 100 fois qu'on n'entre pas sans frapper dans la chambre d'une dame. Elle peut être à sa toilette ou chiffonnée. Oui, mais c'est que je viens de recevoir une lettre d'Arnaud. Regardez l'élégance de ce timbre. Un timbre émis par le père de Sélim. Un émir. Et dire que cette lettre a survolé les déserts, la mer intérieure, les villes et les villages, 2987 km à vol d'oiseau, grand-mère, j'ai calculé. C'est beau. La poste qui emporte les nouvelles des hommes à la vitesse du vent. Mais en fait, de nouvelles, celles-là ne doivent pas être très fraîches. Pourquoi ? Parce que Arnaud vient juste de repartir. Cette lettre date d'avant sa visite, voyons. Ah, je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Non, j'ai horreur d'ouvrir les lettres. Ça casse la beauté de cet objet. Une missive. Un oiseau qui vole d'un cœur à l'autre. Et puis les nouvelles peuvent ne pas être bonnes. Non, pas cette fois, puisque nous l'avons vu. Allez, allez, ouvre la lettre et dis-moi ce que disait Arnaud. Pour vous faire plaisir, grand-mère. Il repassera à Azérac avant de partir avec des encres de forage de son invention. Il est content. Il vous embrasse. Il m'apportera une rose des sables. Il l'a fait. Il est gentil, Arnaud. Il est gentil. Il ressemble à sa mère. J'aimais beaucoup Amélie. Et aussi, cette si jolie jeune fille qui l'accompagnait. Vous vous souvenez, grand-mère ? Isabée. Pourquoi s'en vont-elles toutes ces petites ? Comme Mireille. Avant même d'avoir mordu dans la vie. Avant de savoir. Je vais ranger mon beau timbre dans ma collection. Il est magnifique. Le timbre de l'émirat est superbe avec ses caractères arabes. Je n'en ai pas beaucoup. Mais le plus beau de mes timbres, c'est le timbre mexicain de 1921. Cette lettre était pour papa. Il était mort quand elle est arrivée. Je ne l'ai pas ouverte. Personne ne l'a jamais lue. Valeur inestimable. Salut, troubadour.
Tu te fais pas jeune. T'es comme moi. Ça se dégrune de plus en plus dans la baronnie. Ma sœur, comment vas-tu, ma sœur? Je vais bien, mon frère. Et toi? J'ai eu de très grosses orages, je suis sur les dents. Tu viens voir grand-mère? Oui. Entrez. Petite fille en grande tenue. Ça veut dire que New York n'est pas loin. Tu nous quittes, ma chérie. C'est l'époque de ma migration, bonne maman. Je suis comme votre cigogne. Je m'envole au-dessus des mers. M'a-t-elle fait rêver, cette cigogne, quand j'étais enfant? C'est le seul bijou d'or que grand-mère n'a pas donné pour la patrie en 14. Bientôt, elle se posera sur toi. On parie? Vous n'êtes pas prêt de nous quitter, grand-mère. Vous le savez bien. Quand ton avion s'envole-t-il? Demain, midi. Alors tu dors ici? Si vous voulez de moi, Mouti. Mouti. Tu sais encore le dialecte? Mais je le mélange avec le provençal, sans m'en rendre compte. C'est comme moi quand j'ai épousé ton grand-père. Château, chatou, chatcellé. Je mélangeais tout. Ça n'a pas d'importance. Tous ces mots de la terre viennent du même cœur. Ce sont les mots de... C'est la France. Alors, ma sœur, dis-nous la vérité. Pour qui est-il, ce tableau? Pour bonne maman? Pour moi? Ah, je suis désolée. C'est un cadeau pour Arnaud. Il le prendra à son prochain passage. Arnaud, tu es au courant qu'il veut épouser cette fille? Une brouillèche. Une bourrièche? Mais d'où elle sort, celle-là? C'est sérieux? Pourquoi n'avons-nous pas d'enfants? C'est si joli, des enfants qui courent dans les escaliers d'Azerac. Tu te souviens, ma sœur, de tes longues nattes dans le dos? Les a-t-on tirées, qu'il aimait, moi, les longues nattes de la grande sœur? Bon. Je vais mettre en lieu sûr le cadeau que tu destines au beau neveu. Nul n'y touchera d'ici son retour. Nous parlerons des grands orages plus tard, grand-mère. Et des enfants. David, Guilhem, on va nous photographier. Allez, vite les enfants. Voyez un menu, on va nous prendre en photo. Bon, tout le monde est là, non? Antonin! Bien! Oui, Antonin! Quoi penses-tu? À rien, grand-mère. Tu étais repartie dans autrefois. Si tu crois que je ne connais pas le chemin, il me suffit de regarder, tout m'est disparu. Quand nous remettrons-nous de la splendeur passée, qui rendra le grand battre à Azerac? La raison, Virgile. Il suffirait d'un enfant dans la maison. Un enfant? Avec cette fille? Qui sait? Elle est peut-être très bien. Une bourrièche. Cette famille ne nous a jamais apporté que du malheur. On peut commencer le triage? On vous attendait, monsieur le baron. On aurait de la chance si on finit avant l'orage. Monsieur Blachette est là, qui veut vous parler. Qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là? Alors? Je voulais bien m'assurer que c'était Balthazar qui venait courir chez moi demain. J'ai pas l'habitude de manquer de parole. Tout le monde peut pas en dire autant. Ne faites pas comme la dernière fois. N'oubliez pas le prix qu'on a fixé. Baron de merde. Il est près de Luc, vous voyez là-bas? Balthazar! Au pied!
Tu as vu ce vent? Ça, c'est la tempête qui arrive. Pierre, j'ai une idée en décelant les bêtes. Pourquoi on lui empoisonnerait pas sa manade à ce salaud? On touche pas aux bêtes, jamais, c'est sacré. Rappelle-toi ce que disait papa. Oh! Pardon. Je t'ai préparé un vin chaud? C'est pour toi. Pour moi? Ouais, je sens que t'as de la fièvre, ça te fera du bien. T'as raison. Aïe! Tu avais quel âge, toi, quand t'as pris? Je sais plus. 20 ans. Ça t'a fait quel effet? Je suis parti pour l'Indochine. C'était pour ça? Je me souviens. J'étais gamin. Tu vas pas faire la même chose. Oh, y a plus d'Indochine. Maman, elle est où? C'est le jour où elle va porter la soupe à la vieille Marceline. Je suis bien content qu'elle soit pas encore rentrée. Parce que... je peux pas te dire. C'est idiot, mais... ah, j'aime mieux pas la voir ce soir. Attention, j'ai tiré un grand coup. Dis donc, pour une belle entorse, tu pourras pas descendre dans l'arène demain. Tu me remplaceras, j'appellerai Blachette. Je tâcherai d'être à la hauteur, au poste de Balthazar. Mais tu fais pas le zouave. Je t'apporterai à manger tout à l'heure. Avec ta pâte. Et puis tu sais, je pourrais rien avaler. C'est rien. C'est nerveux, c'est le temps. En tout cas, tu m'as empêché de faire une belle connerie. Tout de même, ce type, quelle ordure. Ça t'ennuie pas que je dise ça? Il n'existe pas. Allez, va te coucher, maman va rentrer. Alors? Tu vois, le fusil est là, il n'a pas servi, Roland dort. Il dort? Oui, il est crevé. J'ai eu si peur. Demain, c'est lui qui fera la course. J'ai fait une mauvaise chute. Mais... qu'est-ce qui t'est arrivé au front? C'est rien. Mais tu t'es battu? Laisse. Non, mais attends, je vois bien que tu t'es battu. Je me suis pas battu, il fallait que j'arrête. Tu me dis la vérité? Mais oui. Bon, je vais aller te chercher de l'eau pour la cheville. Mais rien, je te jure. Mais non, mais il est pas comme toi. Il est fragile, il est exalté. Il va arriver quelque chose, j'en suis sûre. Oh mon Dieu, Pierre. Oh. Dis donc, toi. Quoi donc, toi? Qu'est-ce qui t'a pris de recommander les carles à Zanibouriège? Tu peux me parler autrement, s'il te plaît? Je parle comme je veux. Eh ben, moi aussi. Salut. Oh, te fâche pas. Les carles sont des gens sérieux et ils ont besoin de vivre. Heureusement, je me suis mis en travers. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les Carles? Je croyais un ami. Non, mais dis donc, tu prétends régenter la Camargue? Je te connais depuis toujours. Ton ambition, c'est de renouer avec le grand Bat que tu as connu dans ton enfance, quand Azerac époustouflait le midi. Alors laisse-moi te dire que tu t'y es pris comme un manche, parce que tu pouvais le retrouver, le grand Bat, avec Amélie. Elle t'apportait de l'argent, des terres, et elle t'aimait. Si tu voulais des filles, il n'en manque pas dans le pays. Non, il a fallu que tu te conduises comme un soudard avec cette pauvre Isabelle, hein. Et avec les conséquences que l'on sait. Vas-y, crie plus fort pendant que tu y es. Et pourquoi tu me demandes des comptes? J'y suis pour rien, moi, si tu es mal dans ta peau. Pardon de vous interrompre. Vous savez que Pierre Carles ne sera pas là cet après-midi pour affronter Balthazar. Vous voulez que ça me foute? C'est son frère qui le remplace. Ah bah, il se fera encorner, voilà tout. Et pourquoi ne court-il pas? Une entorse. Dommage. Fais quand même attention à ce que tu dis. Fous-moi la paix. Pauvre Guilherme.
Bernard, de la manade du baron d'Azerac, toujours invaincu depuis trois courses. Favier double la cocarde pour celui qui décoiffera Balthazar. Est profonde. J'ai peur que l'œil soit perdu. C'est pas vrai, c'est pas possible. Cette bête, c'est un dieu. Course de merde. Ce petit con m'a ruiné, il me le paiera. Fous-le-camp, assassin. Fous-le-camp, je t'arrache un œil. Désolé. Je le fais exprès, salaud. C'est un accident, je vous jure. T'as voulu te venger. Me venger de quoi? Hein? Dites-le, de quoi? J'aurai ta peau, charogne. Dites-le, me venger de quoi? Mais emmenez-le! Emmenez-le, nom de Dieu! Tu l'as gagné ta journée, mon petit. Ne compte pas sur moi pour te réengager, pour le faire savoir. Allez, file! Il devrait être rentré, tu crois pas? Il sera resté avec des amis. J'en ai gros sur le cœur. Il m'a à peine regardé ce matin. T'as embrassé? Oui. Il m'a pas regardé dans les yeux. Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Ne vous inquiétez pas, Madame Carl. Simplement, il a trop bu. Il dort. Mettez-le dans sa chambre. Il sera debout demain. Il vous racontera tout. Par moment, il vous appelle. Il y a une façon de dire au moment. Ça vous fend le cœur. Il vous a dit ça? Nous, on rentre. On ramènera la voiture demain. Bonsoir. Merci. Bonsoir. On n'a pas fini avec le malheur. Et ça fait trois jours que j'essaie d'obtenir les miroirs, mais c'est inconcevable! Les circuits sont interrompus, oui, mais ça va durer combien de temps? Vous ne savez pas. Vous pouvez me rappeler au moins dès que la ligne sera rétablie? Merci. Marlène, qu'est-ce que tu fais là-bas si loin de moi? Je te jure que ça va changer. Oh! Joli! Voilà des volants, des rubans et des dentelles. Oh là là, mais qui t'a fait ça? Personne, moi. Attends, t'as pas, toi? Oui. Dis donc, faut-il que tu l'aimes, hein? Le sou, je l'aime. Ah, tu vas voir, c'est très joli, mais enfin, ça doit friser le budget de la marine nationale en temps de guerre. Oh, on s'en fout. C'est bien, t'es folle. Oui. Et t'as peint toi-même. Si les tantes savaient ça. Les tantes, je les emmène. Non, mais si elles savaient que t'as négligé les affaires pour blanchir à la chaux les murs d'Amar, tu sais. Que j'ai les affaires, je me suis occupée du parfum. Ça y est, Camargue? Non, pas Camargue, c'était pas libre. Si tu savais le nom que j'ai trouvé. Bah dis-le. Ah, plus tard, c'est une surprise, une idée géniale. Ça mêle le cœur et les affaires. Oh, le cœur et les affaires, c'est pas ton genre. On change avec l'âge. Allez, bah dis-moi le nom du parfum.
trop tard. Pour le moment, occupons-nous de choses sérieuses. Je te confie la décoration. J'ai commencé, toi, tu vas finir. Très vite. Arnaud arrive dans quelques jours, il faut que la chambre soit prête. Ah, je fais confiance. Tu peux. And for money, illimited. Illimited, mais il en a de la chance, Arnaud. Plus encore que tu n'imagines. Allez, au boulot. Je te raconte. L'autre jour, je téléphone à Brédier, tu sais, Jacques Brédier, l'armée d'Alsace de là. Je me souviens. J'avais envie de reprendre contact avec lui. Lui dire que j'avais retrouvé Arnaud. Et puis Brédier, au Quai d'Orsay, on l'écoute. C'est un grand Européen, tu sais, on avance sur tout le monde. Il m'a déjà rendu plusieurs services avec le commerce extérieur. Il peut en rendre à Arnaud pour son pétrole, hein? Pas folle. Bref, je cherche à le joindre, et qu'est-ce que j'apprends? Brédier vient d'être nommé ambassadeur de France. À Madrid. Non, mais tu te rends compte? Non, attends. Tu téléphones à Madrid, tu es au bout du fil, et au moment de lui raconter pour Arnaud, j'hésite. Je parle d'une surprise. Je lui raconte seulement que je m'occupe de Taureau. Et il me répond que, justement, dans 15 jours, il visite une des plus belles ganaderias d'Andalousie. L'élevage de la Marquise. La Marquise? La Marquise, on l'appelle comme ça. C'est drôle parce que Rach m'en a juste parlé l'autre jour. Alors j'ai fait ni une ni deux et crac, je prends rendez-vous avec Brédier pour la fin du mois. Là-bas, on trouvera des bêtes en pleine transhumance. J'en achèterai pour la manade. Brédier aura sa surprise. Et quelle surprise? Arnaud. Arnaud? Arnaud qui renouera avec Brédier. Moi j'aurai mes bêtes et je ferai d'une pierre deux coups. Mais t'es sûre qu'Arnaud sera libre? Mais il faudra bien qu'il le soit. C'est pour lui que je manigance tout ça, que j'achète des taureaux, que je remets ce masque sur pied. Ça me ferait mal qu'il soit pas libre. Allez-y, on est prêt. Voilà. Je ne suis pas venue depuis la mort d'Eustache. Ah, si Zanny nous avait écouté. Elle aurait vendu depuis longtemps. Ah, diable. Jamais compris ce qu'on pouvait trouver à ce pays. Des moustiques, des marais, des gitans. Je suis sûre qu'il y a des serpents. On dirait qu'on a fait des travaux. Ah, ça ne m'étonnerait pas. Surprise, les tantes. Entrez si vous voulez pas être dévorés. C'est leur préféré des buveurs de sang. Je me demande quel plaisir tu trouves à vivre ici. Mais tu as tout refait. Tout. Tu dois savoir ce que ça te coûte. Oui. Non? Non. Bon. Allez. Dites-moi tout. Vous êtes fâchée parce que j'ai annulé le conseil d'administration d'hier, c'est ça, hein? Ta tante Marie et moi t'avons toujours suivi dans tes initiatives parfois originales, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, tu fais des travaux, tu disparais, tu oublies tes devoirs vis-à-vis de notre famille. Croyez-vous? Allons, mes tantes. Peu de crédit pour la petite Zanny. Vous avez si peu confiance en moi. Je pensais vous avoir prouvé que... Tu n'as jamais manqué un seul conseil depuis que nous t'avons mise à la tête de Bourriège. Nous nous sommes demandé si tu étais malade. Tu n'en as pas l'air. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, j'ai travaillé. Ça y est, j'ai fini ton petit nid d'amour. Le chéri peut arriver. Oh, quelle bonne surprise. Les tantes. Bonjour, ma tante. Qu'est-ce que je m'anigançais toutes les deux? De verre. Primo, nous ne sommes plus des gamines. Secondo, je suis amoureuse. Tiens, je vais lancer un parfum. Quarto, on va trinquer à tout ça. Non, pas pour moi. Du vin de chez nous? Vous n'en voulez pas? Du vin que j'étais chercher près de Nîmes, dans des vignes de la famille, dont tout le monde se fiche d'ailleurs depuis près d'un demi-siècle. De belles vignes que j'ai reprises en main comme une grande fille, toute seule. Comme je vais reprendre en main la manade des roseaux. Je vais aller en Espagne acheter des taureaux.
Allez, je vais vous faire encore plus riche, les mignonnes. Et vous m'en voulez parce que j'ai reporté un conseil d'administration, hein? Allez, on oublie tout et on boit ma santé. C'est du vin à nous? Alors, si c'est du vin à nous, juste pour voir. Verdict? Il est agréable. Il est merveilleux. N'ayez pas peur de le dire. Si je me souviens bien, il ne rapportait plus rien ces dernières années. À l'avenir, il rapportera. Je le vendrai à travers toute l'Europe. On peut en espérer combien de bouteilles l'an? Ah, je vous adore. Vous ne perdez jamais le Nord. Hein. Si nous l'avions perdu, tu serais obligé de travailler. Et qu'est-ce que je fais? Je voulais dire, travailler pour les autres. Comme cette pauvre Élodie, dont les parents ont fait de mauvais placements et qui a tant de mal à s'en sortir. Je m'en sors très bien, ma tante. Et au moins, moi, je suis libre. Le caractère de son père, quand on pense à la dot qu'il a mangée. Il aurait mangé des royaumes. Cette pauvre Élodie est née riche. Elle n'a plus que 3 parts chez Bourrièche. 2. Tu es sûre? Sûre. Eh bien, tu vois, la situation est encore pire que je ne le pensais. Ça te fait rire? Oui. Oh, allez, faites la paix avec Élodie. J'ai une idée. On vous garde à dîner. On va faire griller du taureau dans la cheminée. Nous avons soupé de Camargue pour aujourd'hui. Il nous faut rentrer. Fauvigien doit nous communiquer les livres de compte et nous voulons les lire avant l'échéance du 15. Et tu ferais bien d'en faire autant de ton côté. Alors, à quand le prochain conseil? Mardi, si ça vous convient. Jeudi. Va pour mardi. Le plus tôt sera le mieux. Et celui-là ne le décommande pas. Ressaisis-toi, Zanny. Pense à tes responsabilités. Retrouve ta pugnacité. Et n'oublie pas que tu es minoritaire. Je vous raccompagne. Où t'en dispensons? Mais je sais pas comment tu peux les supporter. Elles viennent de répondre à ta question en partant. Je suis minoritaire. Mais t'es le PDG de Bourrièche. Tant qu'elles penseront que je le mérite. Ah, ça n'a pas l'air de t'inquiéter. Non, elles sont pas folles, les tantes. Elles savent que je suis la meilleure. Je m'inquiète pas pour ça. Ce sont des teignes, mais au fond, je leur fais peur. Je m'inquiète pour autre chose. Pourquoi? Arnaud. Et sur qui ils sont encore coupés. J'ai peur qu'ils débarquent ici avant que tout soit prêt. Tu comprends? Je veux qu'il y ait un choc, je veux que... T'es vraiment pincée à mort, toi. Je t'ai jamais vue comme ça, tu sais. Complètement folle. Oui. Je l'aime. Bon, ben, je vais aller chercher mes croûtes et mes faïences, pour te rassurer. Fais vite. Mais, tu sais, Annie, je devrais peut-être pas te le dire, mais Arnaud, c'est pas un décor qu'il vient retrouver. C'est toi. Lampe. Si tu étais magique, tu ferais apparaître celui que j'aime. Arnaud! Tu parles toute seule maintenant? Mais d'où sors-tu? De la lampe, bien sûr. Tu as soif? Tu as peut-être faim? Tu as bronzé? Tu es fatigué? Tu veux t'asseoir? Oh, mais c'est superbe! Qui t'a fait ça? Personne. Moi? Ça te plaît? C'est toi qui me plais. C'est vrai? Ouais. Je rêve. Je rêve. Je rêve. Sur ta plateforme, il y a des femmes. Aucune. D'abord, c'est dangereux. Et puis, c'est un émirat. Dis-toi que je n'ai jamais vu les sœurs de Selim. Tu sens jolie. Comment le saurais-je? J'aurais pu demander. Question évitée. C'est un autre monde, Zanny. Avec d'autres règles, d'autres lois. Par exemple, il me serait impossible d'aller là-bas avec toi. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas mariés. D'ailleurs, je ne crois pas que ça te plairait. D'être mariée avec toi? Non, d'aller sur la plateforme. Tu te souviens? De quoi? Le jour de ton départ, on a parlé mariage. Oui, je me souviens très bien. Alors, c'est oui? C'est oui. Tu ne peux pas m'emmener dans ton émirat, mais moi, je vais bientôt t'emmener en voyage. En voyage? Oui, en Espagne. Je vais aller acheter des taureaux.
il y aura une surprise. C'est quand ton voyage? Dans 10 jours. Je risque d'être reparti. Où ça? Sur ta plateforme? Dès que la table de rotation est prête, je pars. Mais c'est important que tu m'accompagnes, Arnaud. C'est important pour moi d'assister au prochain forage. Mais moi, j'ai une date précise. Quelqu'un à rencontrer, une surprise à te faire. C'est important, je t'assure. Et puis tu m'aideras pour l'achat des taureaux. Je ne suis pas manadier, Zanny. Je n'ai pas l'intention de l'être. Tu fais un choix, la vie est ailleurs. Je ne veux pas aller vivre dans un pays où on cache les femmes. Non, mais il n'est pas question d'aller vivre là-bas. Alors on vivra ici. Ici? Ça te plaît pas? Ah si, c'est très joli, mais je pensais que nous habiterions à Marseille. C'est plus commode pour toi, pour tes affaires. Non, c'est plus commode pour toi. Pour prendre ton avion direction ton émirat. Exact. J'ai un métier, Zanny. Moi aussi. Je sais. Fais-le, ce métier. Mais n'achète pas de taureau. C'est trop difficile pour quelqu'un qui n'est pas né entre les bras du Rhône. C'est très dur, la Camargue. Tu ne l'aimes pas? Oh, si. Mais? Je n'ai pas envie d'en parler. Nous avons le temps. Justement, je voulais te demander. Quand Azerac sera à toi, nous y vivrons? On verra. C'est étrange, tu refuses tout ce qui t'appartient. Mais j'adore Azerac. Tu vas être content. Ton père est revenu. Il m'a fait des excuses touchantes. Il m'a apporté la fleur des gardiens, la saladelle. Bref, on a fait la paix. Il m'a même dit... J'aimerais que votre mariage avec Arnaud soit célébré à Azerac. Mais de quoi je me mêle? On se mariera à Nîmes, à Arles, à Marseille, où tu voudras. Mais pas à Azerac. Qu'est-ce qu'il t'a fait, ton père? C'est ça, qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu veux pas me dire? Non. Vous êtes bizarre dans la famille. Très. Dans la mienne aussi, remarque. Alors, tu te maries? Oui, grand-mère. Mon petit Arnaud, chérie. Zanny Bourriesh, je ne te cacherai pas que cette alliance, mon premier mouvement, enfin, j'étais un peu réservée. Puis j'ai réfléchi. J'ai pensé que peut-être ce mariage mettrait fin à une période qui a été très douloureuse pour nos deux familles. Je le souhaite, grand-mère. Alors tu vas me promettre quelque chose. Tu vas m'amener cette jeune femme le plus vite possible. Tu sais, à mon âge, on est impatient. Et au mien aussi. Entrez. Ah, te voilà. Arnaud est venu nous annoncer la grande nouvelle. Bonjour, père. La grande nouvelle, ton mariage avec Zanny? Oui, père. Eh bien, tu m'en vois ravi. Azerac va revivre. Nous allons retrouver les beaux jours d'autrefois. Et le plus beau sera celui de ton mariage dans la chapelle. Ah, je vous demande pardon, père, mais il n'en est pas question. On peut savoir pourquoi, hein? Vous le savez. Ça va, ne te fatigue pas, j'ai compris. N'a pas digéré la gifle. La gifle? Quelle gifle? Vous avez giflé Zanny? C'est pas possible! Je vous demande pardon, grand-mère, de prendre congé de vous. J'ai quelques mots à dire à mon père. Bah, mais tu n'oublies pas ce que je t'ai demandé? Non, n'ayez crainte, le plus vite possible. Une gifle, alors. On m'a bien tiré dessus, elle. Qu'est-ce que vous lui avez fait? À ton avis? Je sais que vous êtes capable de tout. Attention, Arnaud, tu parles à ton père. Hélas, oui. Qu'est-ce que vous lui avez fait pour qu'elle vous tire dessus? Rien. Je me suis trompé. J'ai oublié mon âge. J'ai cru que je pouvais encore plaire à une jeune femme. Je regrette. J'aime beaucoup Zanny. Et solide. Je suis content que tu l'épouses. C'est bien pour toi. C'est bien pour Azerac. C'est pour ça que j'espérais
pour la chapelle. Enfin, n'en parle plus. Mais c'est ça, n'en parlons plus. Mais si je ne t'en ai pas parlé, c'est que pour moi, ça n'a aucune importance. Bon, il m'a giflé, j'ai tiré, j'ai excusé, on passe l'éponge. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mais parce que ça n'a aucune importance. Je vois pas pourquoi ça nous empêcherait de nous marier à Zérac. Moi, si. D'ailleurs, le plus drôle, c'est qu'il croit que c'est toi qui ne veux pas. C'est très drôle, en effet. Alors, pour la chapelle d'Azérac, c'est non? C'est non. Le voyage en Espagne, c'est non. Je ne peux pas, Zanine. Tu veux pas habiter chez moi? Tu veux pas te marier chez toi? Tu veux pas m'accompagner en Espagne? Ah, qu'est-ce que tu veux? Toi. Ah, quand même. Mais je suis capable de me contenter de l'essentiel. Tu veux pas connaître la surprise que je voulais te faire? Mais si. Je voulais t'emmener chez les taureaux parce que là-bas, j'ai rendez-vous avec Brédier. Brédier? Qu'est-ce qu'il fait en Espagne? Il est ambassadeur de France. Dis donc. On croit pas sous les nouvelles, j'étais bédouin. Brédier, tu lui as dit que je venais? Non. Je voulais lui annoncer que je venais avec mon fiancé. Je voulais voir la tête que vous feriez tous les deux en vous revoyant. Et puisque tu ne veux pas, tant pis. Tu es vraiment machiavélique, tu sais. Oui. Alors tu viens? Oui, mais alors c'est bien parce que c'est toi, hein? Ah non, non pas. C'est parce que c'est Brédier. Je suis ravie que tu viennes. Ah, faudra que je m'arrête à Barcelone pour voir mon associé. À Barcelone? Oui, pourquoi? Non, parce que j'ai aussi quelqu'un à voir à Barcelone. Vous n'avez pas encore arrêté de date pour le mariage? Non, c'est un peu de ma faute. J'ai bouleversé l'emploi du temps d'Arnaud qui a dû retarder son voyage en Arabie pour m'accompagner en Espagne, sur les terres de la marquise. La marquise? Il paraît que tout le monde dit la marquise. Je n'en sais pas plus. Possède une des plus belles ganaderias d'Andalousie. Vous la connaissez? De nom, si on peut dire. Madame, je vous ai apporté un présent. Le premier flacon d'un parfum que je vais lancer sur le marché. Ça fait des années que les laboratoires Boriège travaillent dessus. Il ne manquait qu'un nom. Mais je l'ai trouvé. Grand Bâtre. Toute ma jeunesse, j'ai entendu parler du Grand Bâtre des Azérac. Ils avaient le Grand Bâtre. Ils n'ont plus le Grand Bâtre. Ah, si vous aviez connu le Grand Bâtre. Alors j'ai fait faire un flacon inspiré de l'époque où il y avait une grande fête ici. En 1913, je crois. C'est une surprise, j'en ai même pas parlé à Arnaud. J'ai pensé que ce parfum serait... serait... un filtre? C'est ça. Un filtre. Pour notre réconciliation. Vous allez gagner une véritable fortune avec le Grand Bâtre. Tant mieux. C'est vrai que vous savez prédire l'avenir. Arnaud m'a dit. Je ne prédis rien. Je vois. Et qu'est-ce que tu vois? Une voiture qui roule vers l'Espagne. Oui, ça, moi aussi, je peux le voir. Oui, mais là-bas, en Espagne. En Espagne? Rien. Anthony? Arnaud? J'ai été très heureux de recevoir votre lettre. Je ne savais pas où vous écrire et sans le docteur Rache... La branche des oiseaux remplit bien son rôle. Mon père et mon grand-père en parlaient souvent. C'était tout juste si je n'ai pas appris à lire dedans. Les cahiers de la latinité. Ah, c'est encore plus que ça. C'est la liberté de s'exprimer à travers la vieille Europe. Cette branche des oiseaux est une forêt accueillante aux poètes. Vous étiez au maquis du Vercors, je crois. Oui. Tout le monde était mort à la maison. Papa est tombé pendant la guerre civile. Et vous savez que votre oncle Lee s'est occupé de moi discrètement. Il a même sauvé pas mal de notre argent. Ça ne m'étonne pas de lui. Et où en êtes-vous maintenant? Je suis revenu à Barcelone et j'écris. Je me cache un peu aussi. C'est pour ça ces rendez-vous de conspirateurs.
Mais j'espère qu'avec la naissance de l'Europe, l'avenir va s'éclairer enfin. Je l'espère également. Et vous? Pourquoi ces voyages? Je vais en Andalousie acheter des taureaux avec ma fiancée. Elle s'occupe des tauromachies? Zani s'occupe de tout. Nous allons chez la marquise. Cette femme que personne ne voit jamais. On m'en a parlé. Mais venez nous rejoindre. Je vais essayer de m'arranger, oui. Mm. Je crois que maintenant, toi et moi, on ne pourra plus se perdre des vues. Et la voiture? On la retrouvera en rentrant. Attention, la roule! Don Miguel m'ha encarregat de rebre'ls en lloc seu. Aquest vespre és el Castillo de Sotomayor. La marquesa ha volgut rebre Monsenyor a l'ambaixador de França per donar-li la benvinguda a les seves terres. Demà els portaran pel trajecte de la transhumància. Un cotxe els recollirà a les 7 del matí per reunir-se amb nosaltres. Jo és que, desgraciadament, tinc un petit problema i no els puc acompanyar. Quin problema? Hem perdut cabestros i les bèsties no volen continuar. Oh, i què piensen hacer? Afortunadament, la noche serà clara. Voy a reunirme con los hombres que ya las están buscando. Fantástico. Comme les Indiens? Oui, comme les Indiens. Tu veux savoir ce qui se passe? Est-ce que c'est si drôle? Alors, figure-toi qu'ils ont perdu les cabestros, les taureaux meneurs. Et sans eux, les autres taureaux refusent d'avancer. Ils vont passer la nuit à les chercher sous la lumière de la lune, comme les Indiens. C'est fabuleux. Et Brady, on l'a perdu aussi? Ah, il nous rejoindra demain et il présente ses devoirs à la marquise. Ah, gracias. Ah, si yo fuera con usted. Me parece una gran idea, señor. Me da un cuarto de hora? Mm-hmm. Vale. Je vais les chercher avec lui. Tu n'as pas envie de nous accompagner? Tu plaisantes, j'espère. Mais pas du tout, c'est une expérience unique, mythologique. Enfin, tu rigoles? Tu vas me planter dans ce sépulcre avec des gens que je connais même pas la langue. Qui est-ce qui a voulu que je vienne, hein? Un quarto de hora, y voy. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Que je le rejoignais dans un quart d'heure. Je ne veux pas rester seule ici. Alors viens. Non, laisse tomber les cabestros. Cabestros? Je m'en fous, les canestros, les catestros. Les amis, c'est affreux pour les vaqueros ce qui arrive. Sans cabestros, c'est la mort du troupeau. Reste. Non. Ah. Reste. Non, ma chérie, j'ai donné ma parole. Et tu sais, ici, on ne plaisante pas avec l'honneur. Ils sont très stricts, les Espagnols. Je risque ma vie, en quelque sorte. Si je me dérobe, c'est l'Inquisition. Tu ne voudrais pas que je sois brûlée. Je te déteste. Tu me préfères toujours les hommes. Non, ne crois pas ça, ma chérie. C'est encore les femmes que je préfère. Je te hais. Moi aussi. ¿Qué? ¿Nada? Nada. Vaya. ¿El francés? ¿Me podrían dejar un caballo? ¿Este? ¿Sí? ¿Has buscado por allá? Es massa fosca allá. Y sota los arbres no es veu res. Aquesta nit anirem per aquí, pel descobert. Sé pas pourquoi. Je te ferai matir. Vete saí a la forêt, señor. ¿Sí? ¿Sí? Molt bé. Alors-y.
Quel cavalier! Estaban lejos. No me han oído llegar. No hacían ruido. Tampoco. Hemos recibido una lección de una mujer. Dime, él el español. Ah, no, no. Mi abuela, yo soy francesa. Bravo, mademoiselle. Merci, monsieur. Oh, mais vous êtes le fiancé. Le fiancé? De l'ami de mon beau-frère. Je suis Isor de la Pierre. Ma sœur a épousé Jacques Bridier. Ah. Et Jacques nous a dit qu'il devait rencontrer ici une jeune femme provençale. Zanny, je crois. Et son fiancé. Je ne me trompe pas? Non, non, pas du tout. Elle n'est pas là? Qui? Votre fiancé. Ah non, non, elle ne monte pas à cheval et... Elle était un peu fatiguée par le voyage, elle a préféré. Non, mais... Pardonnez-moi, je suis tellement... ébloui que j'ai oublié de me présenter. Arnaud d'Azérac. Arnaud d'Azérac? Oui. Arnaud Cabrérol d'Azérac? Oui, mais comment? Mon père a fait la Grande Guerre sous les ordres d'un Cabrérol d'Azérac. Il s'appelait Romain. C'était mon grand-oncle. Il est mort... Dans les Vosges. En héros. Romain. Quand j'étais petite, je croyais que mon père avait fait la guerre des Gaules avec Jules César, à cause de ce prénom. Romain. Vous avez l'habitude de ce genre d'exploit? Non. Ma grand-mère était catalane, mais je n'étais encore jamais venue dans son pays. Quelle émotion. J'en rêve depuis l'enfance. Vous savez qu'il n'y a presque plus de ganaderías qui prennent le trajet de la transhumance? Bientôt, tout se fera en camion. Mais les taureaux de la marquise suivent encore, eux, les voies tracées par les Celtes. Traversent les rivières, les forêts, les routes. Vous semblez heureux à cheval. Ah, je suis né en Camargue. Quelle chance vous avez. Racontez-moi. La Camargue? Oui, la Camargue. Oh, mon Dieu. Il y a d'abord la mer, d'où émergent des terres, les radeaux. On ne sait pas très bien où commence le ciel. Tout semble se mêler comme au jour de la création. Et Dieu créa le taureau, et Dieu créa le cheval, et l'homme. Parfois, je ne sais pas très bien qui l'a créé. La Camargue, je ne sais pas très bien où j'en suis avec la Camargue. Ce n'est pas sa faute. Je vais épouser Zanny, qui n'est pas camarguaise. Elle voudrait y vivre. Et moi qui suis de ce pays depuis qu'il existe, je ne sais pas... J'ai du mal à parler de ces choses. Cette terre, je l'ai dans le cœur, mais ce n'est pas facile. J'aime les chevaux. Tant mieux. Je suis écuyer. Écuyer? Oui, c'est mon métier. Écuyer. J'habite à Manège, à Paris, dans le 16e arrondissement. Je dors au-dessus des chevaux, au-dessus de Mélusine. Mélusine? C'est ma jument. Un pur sang. Une merveille. Je suis heureuse que vous aimiez les chevaux. Je n'ai jamais monté de Camargue, mais je sais qu'ils ont le pied marin. Qui vous a dit ça? Mon père. Officier de cavalerie. Saumur, cadre noir. Il était magnifique à cheval. À 5 ans, ma sœur et moi montions déjà. Et père nous avait appris le nom des frisons, des arabes, des limpisans. Et il nous disait que les Camargues savent des secrets et ont un pacte avec les taureaux. C'est vrai? Bien sûr. Azérac. Ah, quelle rencontre. Attendez, je me souviens. Bancal suit, dame souveraine, vais dans la vie, pauvre air boitant, rêvant de vous,
en des terres lointaines, mon cœur blessé et par amour saignant. Mais comment savez-vous le poème du bancal? Il faut dire que Père n'était pas seulement fou de chevaux, mais de poésie, et particulièrement de poésie provençale. Il avait des origines méridionales? Il était d'Arras. C'est ça qui est touchant. L'amour du gai savoir et des troubadours le mena jusqu'à Mistral et Ophélibre. Il savait tout par cœur. Au point que... Je vous dis tout? Ah, je vous le demande. Je m'appelle Isaure. Et ma sœur aînée, Clémence. Oh, Clémence Isaure. Magnifique. Certains osent prétendre qu'elle n'a pas existé. Clémence Isaure. Par le sang, héritière de ces rois troubadours. De ces troubadours rois. Oh. Il faut absolument que Virgile vous connaisse. C'est mon oncle. Il lui est arrivé une chose extraordinaire à l'âge de 7 ans. Une manade lui est passée dessus, comme ça, en douceur, si on peut dire. Depuis, il sait des choses que les gens normaux ne savent pas. Plutôt, il voit des choses. Il rédige depuis des années le registre des grands orages depuis François Ier. Et toute sa vie, il a rêvé d'entrer au bureau des longitudes ou de faire l'école des chartes. Dame chevalier. Bien dormi? Très bien. Ils vont avoir suffisamment à faire pour remettre le troupeau en route avec Avestros. Si on allait repérer le gué à leur place. Ah, très bonne idée. Merci. Allez, au boulot. On va retrouver Arnaud et ses taureaux. Allez. Qui vous a appris à monter? Mon père. Ah, c'est merveilleux, l'équitation héréditaire. Merveilleux. Vous allez voir ma sœur à cheval. Je vous vois. Ah, moi? Ça ne compte pas, c'est mon métier. On va les rejoindre? Je passe devant? Thank you.
Nous y serons dans moins d'une demi-heure. Ah, je ne savais pas les bêtes si proches du château. Vous devez être bouleversée, chère Clémence, de retrouver à cheval vos racines espagnoles. Bouleversée, oui. J'ai envie ma sœur qui a passé la nuit avec les taureaux. Moi aussi, maman. C'est un bon cavalier, hein. Oui. Oui, cette famille. Enfin, je veux dire de famille du côté de ma femme. Les Delapierre sont tous nés à cheval. J'espère qu'un jour trouvera le cabestro. Les cabestros sont de bêtes magiques. Ils connaissent leur pouvoir. Arrêter la marche du taureau, suspendre la marche du thon. Et si on ne les retrouve pas? C'est le désastre, señorito. Mais je crois que tout est possible depuis que la marquesa vous a reçu, monsieur l'ambassadeur. Pourquoi c'est si rare qu'elle ouvre sa porte? Ça n'est pas rare, madame. Pero no ocurre nunca. À ce propos, j'espère que vous n'êtes pas blessé de n'être pas convié. Ah non, mais pas du tout, j'ai bien compris qu'il s'agissait d'une audience officielle. La seule que je lui ai vu donner depuis la mort du marquis. De milliardaires, des princes, des rois, de caballeros sont venus au château. Aucun ne l'a vu. L'autre jour, madame m'a dit, Don Miguel, on ne peut pas condamner sa porte à l'ambassadeur de France. Pourquoi est-elle française? Que pensez-vous, messieurs l'ambassadeur? Je ne sais pas, je me demande. Il y a un mystère, c'est sûr. On ne sait rien de madame. Ni l'âge, ni la naissance. Le marquis l'a ramenée un jour du Mexique en disant, j'ai poussé la seule femme au monde qui sache tout de cheval et de taureau. C'était vrai. Elle était très belle. Mais elle est très belle. Elle le sera toujours. Ce que je veux dire, ce qu'elle a dit à bientôt à la mort du marquis, il avait 103 ans, la marquise a renoncé à la vie. Mais pas assez bête. Il dirige tout depuis son fauteuil. Elle ne se trompe jamais. Taureau, taureau! Los cabestros! Au galop! Au galop! C'est votre sœur, madame, qui a retrouvé le cabestro. Non. Ça ne m'étonne pas d'elle. Je vous assure que pour impressionner mes hommes, il faut qu'une femme prouve qu'elle est capable de... Ah, nous avons de la visite. Ce
sous-officier Bourriège. Comme un embrayé. Clémence, voici Zanny, dont je vous ai si souvent parlé. Cette jeune fille qui n'avait peur de rien et dont le courage nous rendait tous jaloux. Ah, oh, on arrête, vous allez me blesser avec tant de fleurs. Mais dont le caractère était, je dois le préciser... Impossible, je sais. C'était vous. Ravie de vous connaître. Moi aussi. C'est vous, señorita, qui désirez choisir de taureau? J'aurais besoin de vos conseils. En fait, je n'y connais rien. Mais vous ne le suivez pas, cheval? Avec votre permission, non. Zanny, si je me souviens bien, vous m'avez promis un fiancé et une surprise. Où les avez-vous cachés? En fait, de surprise, elle est pour moi. Je croyais trouver le fiancé ici, mais... Ah oui, votre sœur Isor et lui étaient ensemble cette nuit. Et à l'aube, ils ont allé voir le guet. Doña Isor est une grande jeunette. Oui, le fiancé monte bien aussi. Oui, bien. Attendez, Zanny, mais ce cavalier, mais c'est le chevalier. Oui. C'était ça, la surprise, hein, le chevalier. Vous avez bien fait de venir. Alors, ta nuit s'est bien passée? Je te demande pas comment s'est passée la tienne. Reste! Tu es folle. Mais reste! Reste! Oh. Attention, Arnaud! Du mal. Je vous présente Isor d'Azerac, ma femme. Isor, ils sont réveillés à Azerac pour y rester, paraît-il. Vous n'avez rien à faire ici.